attraper, ça veut pas dire qu'ils existent pas. Tu as bien raison, Lara. Mais ils préfèrent peut-être rester discrets. On dit qu'ils sont très féroces. Les Yétis ont juste l'air féroces. C'est sûrement parce qu'ils n'aiment pas avoir froid tout le temps. J'aimerais pas ça non plus. Mais tu n'auras jamais froid, ma Lara, si tu n'aimes pas ça. Regarde ! Henri, qu'est-ce que c'était ? Lady Croft, Mayday, Mayday ! Ici Bravo Tango 229, on a perdu le moteur bâbord ! On passe sur réserve auxiliaire ! Est-ce que l'avion va s'écraser ? Le moteur tribord ne répond plus. Uniquement si on ne peut pas faire autrement. Stabilisateur HS, plus de gouverne, on perd de l'altitude. L'avion pique du nez ! Allez, ferme les yeux, ma chérie. Non, je ne veux pas fermer les yeux. Bien plus amusant. Ouais. J'ai la nausée dès que tu regardes en bas et ça me fait peur. Hé, Alistair est de retour. Attrape un casque. Déjà revenu ? De Florence, c'est ça ? J'ai opté pour Gênes en fin de compte. Mon mémoire verra jamais le jour à ce rythme, mais c'est pas grave. Alors c'est comme la Bolivie. Virginie. Alistair, je te présente Tiwanaku. C'est une charmante civilisation pré-Inca, actuellement en ruine. Enchanté. Tiens, rends-moi service, vérifie ton PDA. Il marche encore, si c'est ce que tu veux savoir. Cool, c'est étanche, comme prévu. Tu devrais pouvoir nager avec sans problème. Bien reçu. J'y suis, mais je vois pas de grimpeur. Oui, ben, je peux pas tirer à vue si je vois personne. Je m'étais préparé à descendre quelqu'un aujourd'hui. Puis y a personne. Je m'en dois une. Ouais, je te jure. Et donc, il a surgi en se balançant? Non, il dansait plutôt. Et il hurlait comme pas permis. Moi, je lui aurais collé un coup de saton. Magnifique, non? Je crois que je retombe amoureuse. Tu dis ça de toutes les ruines. Ah, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et voilà les touristes qui viennent tout gâcher. Qu'est-ce que tu vois? C'est trop petit pour la caméra, là. Qu'est-ce qu'il y a? Des hommes armés. Des mercenaires, apparemment. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils cherchent des ennuis. Plus c'est douloureux. Débutant. Je crois qu'il faut que tu avances. Oui, mais comment? Avec patience et persévérance. Sors de là!
trouver de quoi faire du feu. Lara, est-ce que tu... Non, recule! Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose dans la lumière. Reste ici. Qu'est-ce? Qui êtes-vous? Quoi? Comment ça, ma fille? Laissez-la tranquille! Elle n'a rien fait! Lara Croft, j'ai toujours voulu vous rencontrer. Repos, on va discuter. Je vous écoute. Vous en avez trouvé un morceau ? C'est ce qui vous amène ici ? Où avez-vous trouvé ça ? Peu importe. Par contre, son pouvoir, lui... Vous le savez? Ce que je sais me regarde. Ce qui veut dire non, et que vous n'avez rien trouvé. Amanda avait raison. Il fallait être plus attentive à Paraíso. Amanda? Amanda est morte. Qui vous a parlé de Paraíso, bon sang? On a fini. Il y en a donc plus d'un. Tu avais raison, père. Tu disais ? Sortez la caféine, les garçons. On a du pain sur la planche. Le travail, c'est la santé. On va pas s'en plaindre. Bon alors, c'était qui? Tu connais les Rotland, au States? Tu viens de croiser le fils du sénateur, James Rotland. Il a fait au West Point. C'est à peu près tout. Tu peux me repasser la séquence? Bienvenue, Lady Croft. Faut-il préparer votre bagage ou bien le vider? Winston, regardez donc ça. La ressemblance est incroyable. C'est frappant et pourtant... Et ça ressemble à quoi? Un objet que j'ai vu il y a longtemps au Népal. Loin de toute culture pré-inca. Et vous pensez qu'il s'agit d'un fragment de l'épée? Quelle épée? Plutôt d'une autre du même genre. Zip, j'ai besoin que tu fasses des recherches sur ce Rotland. Je veux savoir où il se trouve. Au Pérou? Il a parlé de Paraíso. On pourrait certainement y trouver des informations sur les reliques. Est-ce qu'il a dit sur Paraíso? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a Amanda? Alistair, vois si tu peux tirer quelque chose de ces images. Zip, tu appelles Anaya et tu arranges un rendez-vous à Paraíso samedi matin. Ils ne me paraissent pas aimer beaucoup les touristes. Faut dire aussi que tu portes des flingues. On ne va pas me reprocher ma façon de m'habiller. Des nouvelles d'Anaya? Elle a dit qu'elle te retrouverait à la statue, sur la place du marché. Au moins, on va être au calme. Salut, Lara. Tu réalises qu'il y avait foule ici, il n'y a pas 5 minutes? Et moi qui voulais rester discrète? J'espère que c'est de moi qu'elles ont peur et pas d'autre chose. Il n'y a rien ici. Que des poteries cassées, mêlées aux cadavres de vieux amis. Si j'avais su que ça te mènerait là, jamais je ne t'aurais parlé de la Bolivie. Et pourtant, tu es là. La Paz n'est pas si loin. Le passé non plus.
des mercenaires à ses trousses. Dis-lui que j'arrive. Ok. Seulement quelques années de plus, c'est rien pour ces ruines millénaires. Il faut que je te dise quelque chose. Je crois qu'Amanda n'est pas morte là-dessous. Encore cette vieille histoire? Pourquoi? Tu ne comprends donc pas? Je dois fouiller le passé, trouver des réponses. Je suis ingénieur, Lara. Je construis le futur. Je ne vis pas dans le passé. Détrompe-toi. Le passé rattrape tout le monde. Lara ! Descends donc, flemmarde ! Jason dit qu'on y est presque cette fois. Une minute, Amanda ! On vérifie que c'est assez solide. Mais tu vas venir, oui ! Ça. Tu es vraiment sûre de ton coup? Cette chose approche. T'as une meilleure idée? Et si la porte est piégée? On est piégés! Oh non! Je trouve que c'est une très mauvaise idée. On était tous d'accord pour ne plus y toucher. Et je tâcherai de m'y tenir. Mais si j'en crois Rutland, il y a là en bas un indice sur ce qui a tué ma mère. Je dois y aller. Inutile d'espérer passer par le même endroit. C'est bloqué. La rivière a trouvé un chemin, elle. Je te laisse résoudre ce mystère. Moi, je n'y vais pas. Désolée. C'est bon, vraiment. En cas de problème, appelle Zip et il fera suivre. Ne prends aucun risque. Je ne veux plus perdre mes amis.
C'était à Amanda. Une basket, ça se perd pas comme ça? On l'a délacée. Jamais je n'aurais cru qu'elle ait pu survivre. Ce n'est peut-être pas le cas. Il y avait quand même beaucoup d'eau. Il est question de la dernière reine de Tiwanaku. Fille du roi, elle fut perdue et élevée par un guerrier. Elle devint reine lorsqu'un chaman du nom de Tunupa découvrit son ascendance. Tunupa est l'un des noms de Viracocha, leur dieu créateur. Le chaman l'amena au lac Titicaca, où elle emprunta son bâton, un objet de grande puissance. D'après le mythe, Viracocha vivait à l'origine dans le lac. Le dieu des salles de bain, quoi. Elle guida son peuple vers une ère de paix. Mais après des années de règne juste et sage, une lutte pour le pouvoir éclata. Elle mourut peu après et fut emmenée au paradis dans un bateau. Chaman de la reine, une épée ou ici le bâton de Viracocha, planté dans un socle. C'est bien ça. Tu crois que c'est le même que celui de Tiwanaku? Il doit en exister plus d'un, mais c'est possible. Regardez-la, qu'elle est belle! Nous étions si proches, si proches. Fantastique, Lara. Vous n'avez pas l'impression d'avoir déjà vu cette épée? C'est celle que tenait Rotland. Sauf que là, c'est une épée de cérémonie. Et qu'est-ce que nous avons là? La pointe s'est brisée. Eh bien, je ne m'attendais vraiment pas à découvrir ça. J'ai déjà vu ça à l'université Waseda au Japon. J'ignorais que ça pouvait avoir un rapport avec ces reliques. Nickel, je les appelle tout de suite. Elle n'y est plus. Elle a été volée par Shogo Takamoto. Takamoto? On ne joue pas avec les Yakuza, Lara. Rien à faire, Zip. Je veux cette épée. Organise une rencontre. Ok, mais... dites pas, Alaya appelle de son portable. Je te la passe. Lara? Lara, tu m'entends? Les salopards qui étaient en vie, ils sont là. Ils descendent te chercher. Dans la tombe? J'espère qu'ils vont s'y plaire. J'espère que t'as trouvé ce que tu cherchais, parce que je ne remets plus les pieds ici. Tiens, regarde. C'est tout ce qu'elle a laissé. Elle s'en est sortie sans rien dire? Et pourquoi s'est-elle cachée tout ce temps? Je pense qu'elle s'est éloignée. Plus qu'elle ne s'est cachée, en fait. Elle a pu découvrir là-dessous quelque chose qu'elle a certainement voulu garder pour elle. Zip, tu as pu avoir Takamoto? Oui, j'ai eu. Mais il voulait pas te voir, donc je lui ai rappelé que tu détestes qu'on te dise non. Chacun ses petites manies. Je suppose qu'il préfère qu'on se voie en terrain neutre. Tu vas adorer. Il a choisi les bureaux de Toru Nishimura, juste en face de son appart. Nishimura? Takamoto ignore que nous sommes amis? Ouais. Il sait juste que Nishimura donne une réception demain soir, et que vous vous verrez là-bas. De mieux en mieux. Bon, très bien, j'y vais directement. Reste à trouver une tenue adéquate. Dis Lara, qu'est-ce qui s'est mal passé la dernière fois entre Takamoto et toi? Il voulait me refourguer des faux de la période Asuka. Les Yakuza manquent vraiment de bon sens. Tu l'as laissé partir? Ça nous permet d'avoir une petite conversation. La vie fait bien les choses. Bienvenue Lara. Ma petite réception vous plaît? Totemo tanoshindeimas, Nishimura-san. Mais je crains que Takamoto, en arrivant, ne trouble votre sérénité. Prenez garde. Il peut devenir très dangereux si jamais quelqu'un menace ses intérêts.
Oh, mais je sais être très persuasive. Surtout face aux hommes dangereux. Oh, je vous crois. Je suis dangereux aussi, vous savez. Mais je vous en prie, profitez donc un peu de la soirée et bonne chance. Soyez brève, Miss Croft. Je suis extrêmement occupée, alors dépêchez-vous. Bien sûr, Takamoto-san. Je recherche une relique. Un fragment d'épée conservé par l'université Waseda jusqu'à ce que vous la voliez. Je ne vole pas. Et vous devriez vous garder de telles accusations. Je suggère donc que nous passions aux négociations. J'ignore totalement de quoi vous voulez parler. Bien sûr que non. Dites-moi un prix. Miss Croft, vous êtes sourde? Vous croyez? Vérifions. Suppliez-moi de vous épargner cette fois encore. Kurose! Imaskuyare! Ne jamais aller à une soirée les mains vides. Takamoto a sûrement regagné son appartement. Ne le suivez pas, Lara. Ses gardes seront aux aguets. LOL est un piège mortel. Je sais que t'es une pro, mais là, je crois vraiment que c'est mort, Lara. Alors, dans ce cas, je passe par le haut. Comment puis-je atteindre le toit? Le toit? Il y a un ascenseur. Faites attention, Lara. Il y a des travaux là-haut. Belle soirée pour prendre l'air. Oh, c'est ce que ça veut dire. Je vais aller chercher mes cachets. Vous n'auriez pas dû venir. Ici, c'est mon domaine, pas l'un de vos tombeaux moisis. Parlez-moi de l'épée, Takamoto. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous fascine tant, Miss Croft? Laissez-moi la voir et vous saurez. Votre entêtement vous coûtera la vie. Vous avez manqué de respect. Vous avez fait irruption chez moi. Vous avez tué mes hommes. Simple compression de personnel. Maintenant, si vous permettez, je vais vous débarrasser d'un objet. Vous parlez de celui-ci? Miss Croft, c'est le joyau de ma collection. Et pourquoi ça l'est? J'ai un faible pour les objets trouvés sur les cadavres anglais. Dans ce cas, c'était l'un de vos croisés. Certains prétendent même qu'il s'agirait d'un chevalier du roi Arthur. J'ignore comment cet imbécile l'avait eu, car il est manifestement antérieur au XIe siècle, quand vous viviez dans des huttes de terre. Et c'est pour ça que vous seriez prêt à sacrifier votre vie pour lui? Non. Mais pour ça! Oui, c'est bien le même. Tu as vu ce qu'il peut faire? Oui, Alistair, j'ai vu. Dis-lui qu'il vient de marquer quelque chose. Merci, Nishimura-san. Je suis vraiment ravie de vous voir. Oh, mais moi aussi, ma chère. Et Takamoto, où est-il? Tout dépend si sa vie fut bonne ou mauvaise. J'ai du nouveau sur James Rutland. En fait, ça te dit le canard?
Absolument. L'Afrique est un de mes continents préférés. Toujours aucun signe de Rutland. Tu as découvert ce qu'il fait là? Si ça tourne mal, je me recycle dans les cartes postales. Non mais regardez ce petit ermite qui abîme tout. Même pas ces bêtes. Ils n'ont pas l'air d'être passés par ici. À ton avis? On verra. Plonger d'une falaise m'aide à réfléchir. Les entrées grandioses sont rarement pratiques. C'est ce qui fait leur charme. Lara! Vous n'abandonnez donc jamais? Tiens, tiens. Voilà Rutland. Et si vous descendiez bavarder un peu? Ça dépend de la portée de votre arme. Vous savez bien que les relations à distance finissent toujours de façon tragique. Je vous souhaiterais bien bonne chance. Mais bon... Chère Amelia, à jamais vôtre, Richard. C'était à ma mère. Zip, tu m'entends? Lara, vous cherchez la clé Galali, vous aussi? Parfait. Je ne vois absolument pas de quoi vous voulez parler. Oh, mais si! La clé qui permet d'assembler l'épée. Elle fait la taille du poing. Et d'après les travaux d'Amanda, elle est ici. Que savez-vous sur Amanda? Où est-elle? Alors, votre père a fait des fouilles ici, non? Amanda s'est dit que peut-être il avait la clé. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Parlez-moi plutôt de ce fragment d'épée que vous emportez partout avec vous. Ben, j'ai passé du temps à l'étudier et j'ai appris deux ou trois choses. Regardez bien. Ce n'est pas moi votre ennemi, Rutland. Ces morceaux n'ont pas été brisés. Ils sont faits pour être séparés puis réunis. La clé Galali, c'est ça? Inutile que je vous demande d'où ça vient. Les croisades? Le roi Arthur? L'histoire ne m'intéresse pas. Alors restez donc ici et pensez à l'avenir. Mais ne m'associez plus à vos projets. Vous détesteriez me revoir. Votre père n'a peut-être pas trouvé la clé. Mais Amanda ne le sait pas. Elle doit déjà être chez vous. J'espère que vous êtes bien assurés. Ah, quand même! J'essaie de te joindre depuis des lustres, tout va bien? Il veut bien défoncer la porte d'entrée. Il y avait une sorte de... J'arrive immédiatement. Non, ça va. Écoute, il faut que je la suive. Elle cherche un autre morceau de l'épée. Quoi? Où? Au Kazakhstan. J'ai une photo où on voit des éclats comme les tiens. Très bien.
bien. Fais un inventaire et essaie de trouver un objet appelé Clé Galani. Quant à moi, on dirait que je pars pour le grand froid. Vois-toi. Non, ça va chauffer. Alistair, je suis dans la base. Vas-y. J'avais raison. C'est un vieux projet soviétique des années 50, appelé Karbolek. Le laboratoire étudiait un ancien morceau d'épée. Mais un événement mystérieux a forcé le KGB à intervenir pour faire le grand nettoyage. Ou presque. On dirait que ça barre d'en dessous. Je crois que t'arrives juste à temps. Voir un peu trop tard. Les Kazakhs se battent avec les hommes de Rutland. Oudamanda, elle est forcément derrière tout ça. Le labo est relié à cette base militaire. On ne sait pas comment. Si tu trouves le poste de commandement, on devrait être fixé. Il suffit simplement que tu attendes que les tirs se calment et tu devrais... Oh, voyons, Zip. On attend quand on est patient. Maintenant, Lara! Très bien, Lara. Vous êtes américaine? Britannique. On dirait que nous avons un ennemi commun. Où est le poste de commandement? Не отвечай! Что здесь нужно? Погоди! Если она использует код без ключа, то сработает тревога, и центр пришлет нам подмогу! Да ты что? Мы здесь охраняем только снег и звериную мочу, или ты хочешь сам идти? Par la porte! Le code est K1879. Спасибо. Подзюлайте меню дачи. Le labo ne doit pas être visible du ciel. Il faut les plans. Et voilà. Ça fait une trotte. À pied peut-être. Il y a un train militaire qui passe devant le labo. Les sbires d'Amanda ont pris de l'avance. Il faut que j'y aille. Le train s'en va. Ça devrait suffire. Hé, hey, c'est elle! Amanda? Bon sang, Lara, j'ai affaire! Tu as changé de look? C'était bien toi en Bolivie, avec Rutland. Je voyage partout, y compris dans des lieux dont tu n'as pas conscience. C'est toi qui restes sur la touche cette fois. Désolée. Je regrette, Amanda. Si seulement j'avais su, je te jure que j'aurais fait tout mon possible. Arrête, j'ai surmonté tout ça depuis longtemps. Tu sais ce qui m'a vraiment dérangée? C'est de voir, en sortant, vous n'aviez même pas essayé de... Oh, tu sais, le truc des archéologues. Ah, oui, fouiller. À nos yeux, c'était ta sépulture. Bien sûr. Elle ne doit pas me suivre. Calme, Zip. Elle a dû prendre un casque pendant qu'elle saccageait ton bureau. Génial ! C'est exactement ça ! Ça ne doit pas s'arrêter à un moment ? Il n'est pas complètement chargé. Je ne sais pas ce qui cloche. C'est un bouclier. 10e ou 11e siècle.
Sûrement trouvé avec la relique qu'on cherche. On dirait les armoiries de Lancelot, non? Si le bourg avait existé, oui. Tiens, tiens, et ça? On dirait une carte. Étudiez-la bien et tenez-moi au courant. À quoi ça servait? Peut-être l'itinéraire de retour du chevalier? Ou alors il en possédait plusieurs morceaux? Amanda, je regrette toute cette histoire, mais nous pourrions encore... Arrête ce nous, Lara, il sonne faux. J'étais seule là-dessous. Seule. Avec ça. Tu te rappelles? Je l'ai prise. Et elle m'a adoptée. Ce n'était pas une très bonne idée. Je l'ai domptée. Je l'ai faite mienne. Oh, mon Dieu! Amanda! Un peu plus amical, Kamala et Sauti, tu vois? On s'amuse bien ensemble. Tu es folle! Elle a tué nos amis, Amanda! Elle a voulu nous tuer! Mais elle m'a sauvée une fois domptée. J'ai ouvert les yeux, j'ai su évoluer. Mais à ta place, je l'éviterai. Elle est parfois un peu susceptible. Coïncidence à l'ironie, il n'y a qu'un petit pas. T'es sûr pour la carte? J'en ai bien peur. Un dingo a bien cru découvrir le tombeau d'Arthur ici, il y a quelques années. Mais c'était du pipeau. Et bien sûr, on a construit un piège à touristes. On peut toujours aller vérifier, non? Au moins à titre pédagogique. En principe, je crois rêver. La table ronde au grand complet. Tu es vraiment sûr? Le roi Arthur qui est toi fils véritable du Dragon? Il n'y a pas le moindre doute à avoir, Alistair. Arthur était donc bien le grand personnage dont parle la légende. Le roi éternel fut aussi réel que l'air que je respire aujourd'hui. Je ne sais pas, Lara. Excalibur, l'épée dans le roc. On dirait que c'est toujours ainsi. Pardon ? Les épées encastrées, Alistair. Elles font partie du mythe. Merlin n'est pas unique, Excalibur non plus. Si nous trouvons des épées et des socles partout dans le monde, ce n'est pas une coïncidence. Donc tu crois que partout dans le monde, on a créé des rois et modelé le destin de l'humanité ? Eh bien, c'est possible. Et qu'est-ce qui a bien pu leur arriver ? Peut-être sont-ils à Avalon ? L'endroit en vaut bien un autre. Mais
Notre Merlin a été tué et les gens du pays ont gardé les morceaux de notre Excalibur. Et où est Avalon? Je ne sais pas. Peut-être bien de l'autre côté du miroir? Il est dit que Bédivère apporta un éclat d'Excalibur à Arthur, et les autres furent emportés par des chevaliers. Excalibur que parce que j'y suis forcée. Et j'implore votre pardon. Lara, il se passe des trucs bizarres ici. Alistair, tu vois ça? Hein, quoi? La vache, lâchez-moi! Zip! Alistair! Qu'est-ce qui se passe? Salut. Lara, ça baigne? Ils n'ont pas piqué vos cartes de crédit au moins. Ça va bien? Alistair? Ça va, ça va. Je vais bien. C'est pas vraiment mon train-train quotidien. Alors, on rentre. Génial! C'est génial! Le roi Arthur a existé! Les chevaliers de la table ronde aussi! Et Excalibur est là, juste devant nous. Les vieux barbons d'Oxford vont piquer leur crise quand ils vont entendre ça! Il y a encore plus énorme, Alistair. L'Excalibur d'Arthur est une puissante relique qui l'a précédée de plusieurs millénaires. Elle est en 1000 morceaux. Qui a de la colle-forte? Quand j'étais au Ghana, je vous ai demandé de chercher la clé Galali. Ça n'a rien donné? Rien dans les collections de feu votre père. Ni dans ses notes. Elle n'était pas au Ghana ou Rutland? Mais dites donc, j'ai déjà vu ça quelque part, je crois. Attendez. La ressemblance est frappante, non? Ce pendentif venait de votre père. Je me suis toujours demandé d'où il le tenait. Où peut-il être? Dans l'Himalaya. Ma mère le portait sur elle quand... Zip, Alistair, je pars pour le Népal. Merci de faire le nécessaire. Pas de problème. Allez, viens. Pardonnez-moi, Lady Croft, mais j'espérais que vous n'utiliseriez pas l'épée comme madame votre mère. Elle a pris l'épée, ce qui l'a tuée. Je ne compte pas faire la même erreur. Si seulement mon père avait pu voir ça. Il a tant fait pour... Et on l'a haï pour ça. Mais non, pas du tout, Lara. Et c'était quoi alors, de l'amour? Ça a ruiné sa réputation. Il n'y a pas qu'un simple pendentif au sommet de cette montagne. L'épave doit être de l'autre côté. Moi, je ne vois rien du tout. T'es vraiment sûr que c'est là? Certaines choses ne s'oublient pas. Oui. C'est ça. Je
Bien sûr. En fait, c'est que... d'habitude, c'est dans le passé des autres que tu fouilles. Là, tu te trompes, Zip. Ce n'est jamais que le passé des autres. Bon, il me reste encore une chose à voir. Je n'en ai pas parlé. Oh, la barbe. Bon, une chose à la fois. Hey, comment t'as su que c'était là? Un instant, s'il te plaît. Bolivie. Après, on verra. Il va falloir que je reste concentrée. Pas de blagues, les garçons. Bonne chance. Cette pierre et moi. Stop! Je ne tiens pas à te faire mal, mais je n'hésiterai pas si tu t'approches encore. Tu es là. James! Amanda! Oh non! Dieu! James! Désolée, Amanda. Vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à ça! Je suis venue pour ça. C'est inutile. On peut partager. Ça ne marche qu'une fois! Et la place sera pour moi seule! Thank you.
mère, écoute-moi. Tout va exploser si tu ne retires pas l'épée. Oh non! Pendant toutes ces années, je m'en suis voulu. Mais c'était toi! C'est toi qui l'as tuée! Tuée? Elle n'est pas morte! Elle est là où j'aurais dû aller! Là où tu pourrais être! Explique-toi tout de suite, Amanda! Ou je te jure que je t'exécute sur place! Je t'ai dit de prendre l'épée! Je te l'ai dit! Où est ma mère? En Avalon! Ce n'est pas un mythe! Tu ne comprends pas! Tu ne comprendras jamais. Je perds mon temps. Tu ne perds rien. Le temps qu'il te reste dépend de moi. Lara. Longtemps, mon père a cru que Mère était en vie. C'était son seul espoir. Il me faisait tellement pitié. Alistair, tu pars pour le British Museum. Appelle-moi quand il y est. Et couvre-toi, ça risque d'être long. Non, j'irai. Zip, appelle Eddington au Cavendish Laboratory. Prends rendez-vous. Oui. Mais j'ai dit quoi? Dis-lui que mon père avait raison sur toute la ligne. Et qu'il est peut-être encore temps de faire vivre les gens. Thank you.
Чернь дороні до.